Bon, aujourd'hui, c'est la canicule. Un mot chouchou. Donc, on va rester à l'intérieur, je pense. À l'ombre, les volets fermés. La maman, elle n'a pas encore tout fermé, mais voilà. Je crois qu'on va se calfeutrer, je pense. Hein? On va se calfeutrer. Ah! Oui, c'est cool. Non! Non! Que c'est le roi, un bisou. En fait, tu veux pas me parler à moi, tu veux parler que à ton nounours? Hein? Tu veux juste parler à ton âne? Hein? Tu veux pas me parler à moi? Dis. C'est vrai. Non. Bon d'accord. Tant pis pour moi. Tu veux pas me parler? Tu veux pas me parler? Tant pis. C'est la canicule aujourd'hui. Du coup, on a mis l'arrosage automatique chez la volaille. Vous allez voir Georgette, elle adore. Mais alors ma fifi, et tes copines elles sont toutes rentrées dans le poulailler? Toi tu profites de l'arrosage? Tu veux pas te baigner devant moi là? Tu veux pas nous montrer comment tu fais? Georgette, oh ma poulette, ah! Et ben voilà. Bon, allez, ce midi, c'est croûton. On vient de recevoir un nouveau colis. Ah, c'est les aérosols. Et trop belle la couleur. C'est les aérosols respectueux de l'environnement. Ah, c'est cool. J'ai deux, trois choses à relooker. Ah, bah, c'est top. On est équipé là. On a quoi du coup en couleur? Du rose pâle. Oh le beau, ouais, le rose bonbon. Hein. On a du blanc mat. Héritage blanc. Si je ne me trompe pas, c'est un blanc un peu ancien. Du beau rose framboise. Du rouge cerise. Et du. Ah non, c'est celui-là, le blanc ancien. Sol de jute. Héritage blanc, bon, c'est juste qu'on voit une sorte de blanc, sauf que celui qui est mat c'est l'autre, et satin. Et le rose bonbon, qui est parfait pour rénover un petit peu la commode dans la chambre des filles. Et du coup, oui, voilà, c'est des aérosols qui sont respectueux dans l'environnement et formulés à base d'eau sans odeur, et qui conviennent pour intérieur et extérieur. Donc, c'est top. Bon, ça y est, je viens de déposer Célestin à la crèche. Là, il va rester de petites heures tout seul. Donc voilà, et moi, je vais aller bosser. Vous allez faire quoi, vous, les filles? Non, c'est interdit d'aller jouer sur le tracteur. Non, c'est interdit, strictement interdit. Vous allez vous mettre dans la maison, là, parce qu'il fait très très chaud. Vous faites une page de cahier de vacances ou un petit temps calme. Bah, ou alors vous allez jouer dans votre chambre. Mais il y a plein de jeux à faire. Ou te reposer parce qu'il fait très très chaud. D'accord? Tu t'es fait massacrer par les moustiques, ma pauvre petite louloute. Dis donc, dis donc, dis donc. Oh bah oui, tu m'étonnes que ça te gratte. Saleté de moustiques. Nouveau jour de canicule aujourd'hui. Alors on va traîner en couche lavable. Ah, moi je suis chaud. Couche lavable aujourd'hui. Même pas de body, rien du tout. Il fait trop chaud. Version léopard. Hein? En même temps, les couches étaient à ta soeur avant. C'est pas bien grave. Ça fait peut-être un peu plus féminin. Mais on s'en fiche. Hein? On s'en fiche? Quel est ça? Dis. Bouchon. Oh! Attention, attention, attention. Attention, 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 attention. Donc on va commencer à fermer tous les volets parce que les températures, elles montent
hyper vite, c'est un truc de dingue. À la maison, ça va, on arrive à maintenir 27, 28 au pire des cas. Sachant qu'on a 42 dehors et encore même pas en plein soleil, donc c'est hallucinant. Donc voilà, ça va être gros rangement, sachant que j'ai pas mal travaillé. J'ai travaillé sur une de nos vidéos YouTube qui m'a pris beaucoup de temps, celle-là, parce que c'était la vidéo de présentation. Donc voilà, j'ai plus qu'à la mettre en ligne. Et du coup, pendant ce temps-là, ce matin, ça va être rangement parce que du coup, hier, j'ai pas fichu grand-chose dans la maison. Donc voilà, rangement vite fait, mais rangement quand même. C'est vite le bazar, mais vite rangé, comme on dit. Donc voilà, rangement, étendre le linge, les couches lavables, etc. Voilà. Sarah Donna est partie travailler, peut-être va pas tarder à rentrer. Donc voilà, à la cool. Et puis je pense que ça va être un petit peu de cahier de vacances pour les petites, je sais pas. On va voir. Bon, comme je vous disais, c'est le bazar. Voilà. Il y en a partout. Hein? Puis ce petit truc-là, c'est pas le dernier. Alors vu que c'est sœur, parce qu'il y a des jouets. La maison de vie, hein. Donc voilà. Moi j'ai du linge à plier, j'ai une tournée de linge à étendre. Enfin voilà, il y a plein de. C'est des conneries comme on dit. Mais ouais. C'est vite le souk, mais c'est vite rangé. Donc voilà, au boulot. Oui, il fait chaud aujourd'hui, hein, mon petit loulou, hein. Normal, il allait 8h moins le quart. Hein, ouais, c'est trop lourd. Ça va commencer à refroidir tout doucement, mais c'est pas gagné. Avec ton gros ventre. Ton oreille, elle est mamie. Peut-être que je peux mettre un peu de. Mais regarde, il a des boutons de chaleur pour petit loulou. Je le mets debout. Mais non, le met pas debout, il est bien comme ça. Mais non. Vas-y. Alors. Elle a fait un bisou. Elle a fait un bisou. Oui, tu vois la lumière du portable. Oh. Et hop, et là. Et tu fais des roulades hein, maintenant, dis donc, hein, faut veiller au grain. Eh oui. Hein. Ça va, Luca? On galère avec notre super connexion internet. Hein. On a changé de box internet, c'est une catastrophe. On est passé au box nouvelle génération, la Livebox 4. Enfin, pour nous, c'est nouvelle génération parce que dans nos campagnes, voilà, avant, on n'avait pas accès. C'est une catastrophe, on a perdu du débit dans la maison, c'est un truc de fou, les gamins ils captent plus dans leur chambre. C'est un truc de dingue, voilà. Alors ok, on a gagné la télé d'Orange, ouh génial, le truc qui nous sert pas plus que ça parce que nous on n'est pas trop télé. Mais du coup on a perdu du débit, c'est un truc de dingue, là voilà, l'ordi 4 portables, ça y est, ça ne peut plus, ça rame. Donc on va voir ce que ça va donner, mais j'en connais un qui va vite perdre patience. Pour ne pas le citer. Ça le saoule. Ça t'énerve, hein? Monsieur Beaufour. Je m'en fous, j'ai mon nouveau téléphone. Oui, t'as ton nouveau téléphone. iPhone 6S acheté sur Back Market. Mais bon, avoir un super téléphone sans internet. Ça fait de belles chances. Ça fait de belles chances. Tu vas où? Ah oui. Nouvelle journée qui commence aujourd'hui, donc on est mercredi. Le petit Choubidou va un petit peu à la crèche. On va un petit peu à la crèche ce matin de 10h à midi, histoire de faire le repas avec elle. Oh, les mouches, elles sont cachées, maman, j'en ai marre des mouches. Donc voilà.
Et moi, pendant ce temps-là, je pensais bosser, mais après, je voulais être tranquille avec ça. Je vais au magasin de bricolage à Auch pour chercher des montants, des rails, etc. De quoi faire la cloison pour la chambre des grands. Parce que j'ai pas envie d'aller courir dans les magasins cet après-midi. Déjà qu'il faut que j'aille conduire Paulino en ville, ce qu'il veut passer l'après-midi avec un copain, donc voilà. Il fait chaud de ouf, c'est un truc de fou. Donc voilà, là je sors du magasin de bricolage. J'ai acheté les rails et les montants pour la cloison des grands. Et une porte qui nous manquait. J'en ai une deuxième à la maison, mais celle-là voilà. On a déjà une. La peinture en tirouille pour rénover un chouïa le tracteur. Bon, alors ma jolie découverte du jour. Donc c'est une boutique bio, la boutique bio élémentaire à Pavie. Je suis ravie de les avoir rencontrés. J'aurais dû franchement m'arrêter avant. Parce que ça fait un moment que je passe devant. Voilà, j'étais pas certaine qu'ils faisaient du vrac et finalement ils ont pas mal de choix. La dame est adorable. C'est des voisins en plus. Ils sont pas loin, ils sont dans le village où on les fie à l'école. Donc franchement, je suis contente. Je crois que voilà. On va peut-être changer de crèmerie, comme on dit. Bon, c'est reparti. Je vais conduire Paulino en ville. Allez, les loulous. Vous êtes sages? Vous, les filles, vous n'allez pas jouer dehors. Hein. Interdit. Du coup, tu fais quoi cet après-midi? Je fais un skate avec un copain. Bon, j'étais en train de bosser et Sarah Luna m'appelle et me dit « Regarde !» On a un dossier sur Paulino. Il est en ville. Et voilà, ça y est, c'est officiel. Il a une chérie. J'ai vu la photo. Ah, c'est une jolie photo. Ouais. Une très jolie fille et une très jolie photo. Ouais. Hein? Ouais. C'est tout mignon. Les ados, quoi. Qui se cachent. Ah, on avait des gros soupçons, quand même. Mais voilà, je crois que là, c'est officiel. Ah ouais. Ok. C'est quoi ce rire? Elles sont survoltées. Elles m'énervent. Allez, arrosage du soir. Parce que ça fait chaud. Eh, je te jure. Mais ils pensent même pas. Non. Arrête tes bêtises. Arrête. Putain, ça mouille. Y'a des œufs? Six, trois verts. Un. Oh, comment ça gueule? C'est la fête à dedans. C'est le bordel.